Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. Ça fait pas mal de temps que j'en avais pas fait, j'ai l'impression. Première chose de ce haul, ce sont mes chaussures, donc c'est mes Puma Earth. Donc c'est les blanches laquées comme ça. Donc wali walou. Là pour l'instant j'ai pas les mêmes lacets, bref. Ne faites pas attention à ça. Moi je les ai prises en 39 parce que je fais du 39 et donc voilà tout simplement. Je les ai achetées sur La Redoute, c'était là où elles étaient le moins chères et donc du coup je les ai achetées là-bas. Donc voilà, du coup c'est plutôt cool, elles sont vraiment super belles, je les surkiffe. Ensuite, deuxième truc que j'aime trop, c'est mon sac Longchamp. C'est le sac, c'est le pliage je crois le son. Donc voilà, de chez Longchamp et il est rose poudré comme ça, il est magnifique, je l'aime trop. Voilà, donc c'est mon sac pour vous savez ce qui se passe de un petit peu moins d'un mois. Ça commence par rond, ça finit par trait, un truc comme ça, tu vois, dans moins d'un mois, je sais, bref. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Maintenant, on passe à deux maillots de bain que j'ai acheté. Donc j'en ai acheté un tout d'abord sur le site Zaful. Donc c'est pas du tout un partenariat, je l'ai payé moi-même. Donc le haut, il est comme ça. Donc c'est un triangle, il est rouge, il est trop beau. Bref, j'aime beaucoup le rouge. Voilà, donc il m'a coûté vers 10-11 euros, je crois bien. Et la culotte... Comment vous dire, la culotte, les gars? Putain, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Déjà, je sais même pas dans quel sens ça se met. Ça me saoule, cette culotte me saoule. Bref, c'est une culotte comme ça. Donc... Voilà quoi, je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça rentre vraiment bien dans le cul. Donc du coup je pense pas que j'ai pu porter la culotte. Fallait que je vous dise que le haut je l'ai porté deux fois, deux ou trois fois, bref. On va pas jouer sur les fois, bref. Et en fait si vous voulez la bretelle s'est pétée. Donc en fait si vous voulez la bretelle elle est reliée comme ça par un élastique. Et l'élastique à l'intérieur s'est pété. Donc du coup ça c'est littéralement, voilà, c'est parti quoi, c'est catastrophe. Bref voilà, tout ça pour vous dire qu'au bout de deux fois il s'est pété, donc je pense pas qu'il va me durer longtemps. Du coup bah là, j'ai dû le recoudre au niveau de là, du coup j'espère que ça va tenir. J'espère que l'autre ne va pas péter, mais bon bref. Chez Undy je me suis acheté un autre maillot de bain du coup, parce que je me suis dit que le maillot de bain rouge là, il va pas me durer tout l'été très clairement, parce que ben s'il pète déjà au bout de deux fois, qu'est-ce que ça sera au bout de cinq fois. Enfin bref, le maillot de bain de chez Undy il est comme ça. Donc voilà, il est rose, blanc et un peu moutarde comme ça. Je l'ai payé 7 euros je crois bien. Je l'ai acheté quand il était en solde. Je l'avais déjà repéré quand c'était pas encore les soldes. Et puis bah quand ça a été les soldes, j'ai vu qu'il était à moins 50%. Du coup je me suis dit let's go, c'est parti, c'est plutôt cool. Et derrière il est croisé comme ça. Bref, vous voyez pas mais derrière il est croisé. Donc voilà, il est plutôt cool. On passe aux vêtements. Donc les vêtements je les ai quasiment tous filmés, portés sur moi. Donc ça c'est vraiment cool. Vraiment il doit y en avoir, je sais pas... deux que j'ai pas mis sur moi. Premier truc du coup que j'ai pas mis porter, parce que bah j'estimais qu'il n'y avait pas trop besoin de le voir porter, c'est ce jean là. Donc il est trop beau. Donc c'est un jean noir simple qui n'est pas taillé, du coup je suis un peu dégueu. Donc c'est un jean noir tout simple avec les petites roses comme ça, et une deuxième là avec des petites déchirures comme ça au niveau des genoux. Voilà, il est vraiment super beau, je l'aime vraiment beaucoup trop. En bas comme ça il est un peu déchiré. J'aime vraiment beaucoup. Il aurait été taillé, ça aurait été une pépite. Je l'ai payé 23 euros et je l'ai acheté chez 5ème saison, un truc comme ça, c'est un magasin chinois. On passe à un haut qui est... Mais il est trop beau. Donc ce haut vient de chez H&M, donc il a de la dentelle comme ça en dessous. Et il y en a au niveau bah, du décolleté, voilà. Et donc il est un peu en matière... vous voyez, un peu en soie. Je l'ai eu à 14 ou 15 euros, un truc comme ça. Donc la fameuse jupe en jean, elle est comme ça. Donc elle est vraiment toute simple. Je l'ai pris en 36 je crois. Donc voilà, elle est comme ça. Je l'ai acheté chez Cash Cash, je l'ai eu à 30 euros. 30 euros pour une jupe en jean, why, ça me fait un peu mal au cul. Mais bon, elle est plutôt belle. En dessous elle est un peu elle est un peu déchirée comme ça. Mais bon franchement elle est plutôt cool, j'aime vraiment beaucoup. Moi je la monte un peu vers le nombril, enfin en mode taille haute quoi, parce que ben, je kiffe ça en fait. Je trouve que ça me fait un plus beau corps. Chez H&M je me suis acheté une petite combi short pour cet été, donc elle est comme ça. Voilà, elle est rayée blanche et noire, je vais y arriver. Et elle est sans manche, enfin sans bretelles, sans rien. Donc voilà, elle est super ample et tout. Oh, j'aime trop ce genre de truc pour l'été, vraiment. Surtout quand je suis au camping ou enfin des trucs comme ça. C'est vraiment trop bien. Tu te mets un maillot de bain en dessous et puis basta. Chez H&M, je me suis acheté une robe toute simple, noire comme ça, qui m'a coûté 10 euros. D'ailleurs je vous ai pas dit mais la combi a coûté 10 euros aussi. Je me suis acheté une robe comme ça toute simple, toute noire, voilà tout simplement. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est vrai que pour des petites fêtes ou des trucs comme ça, je sais pas,
il y ait moyen que je la porte. Comme je vous dis, je porte pas souvent de robe, de jupe et tout, parce que je suis pas super à l'aise avec mes jambes, voilà, on va pas se le cacher. Ce haut là, je l'ai en solde et je l'ai à 2 euros. Et oui, du coup je suis trop contente. 2 euros ce truc là, enfin vraiment c'est hyper lourd. Manche longue comme ça, c'est un peu pas rayé, mais enfin bref, je sais pas si vous comprenez. Avec le fameux espèce collier drap court, donc ça j'aime beaucoup. Et donc le col est rond, voilà, comme ceci, et il est très près du corps, et voilà, je l'aime beaucoup, il est sympathique. Puis chez Zara, je me suis fait plaisir, j'ai acheté un haut qui est, ma foi, je le trouve super beau, vraiment je le trouve super méga beau. Bref, donc il est rose comme ça, rose clair, avec plein de petites perles. Il est trop chou, je l'aime trop, vraiment. Oh putain, il est vraiment trop chou. Par contre, le prix est un petit peu moins chou. 25,95€. Ensuite, j'ai été chez Primark et j'ai trouvé deux hauts vraiment pas mal. Il est vraiment super beau. Il me fait un peu penser à un haut que j'avais vu chez Zara. C'est pas la même qualité, bien évidemment. Mais en fait, il est comme ça avec des petits voiles là au bout des manches. Je trouve ça juste trop beau. Il en a aussi en bas, mais vu que je le rentre dans mon pantalon, on ne le voit pas. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça débile. Moi, je trouve pas ça débile parce que moi, je préfère qu'on se rentre dans mon pantalon, ok? Ce pull là qui vient de chez Primark, du coup, donc c'est un pull, j'aime beaucoup la couleur, vraiment j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai un peu retroussé les manches comme ça parce que j'aime bien. Il est super loose, je voulais filmer, donc vous allez voir comment ça rend et tout. Il est vraiment super bien. En plus, ça, il était à moins 50%, du coup, je l'ai eu à 5€. Enfin, déjà que Primark c'est pas cher, alors pendant les soldes, pépite, il est vraiment super bien pour cet hiver, ça va être trop cool. Ensuite, il y a qu'un seul truc de maquillage dans ce haul, c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, c'est le numéro 17 et il est trop beau. Donc en fait, la petite histoire, c'est que Anis a le même et en fait, quand j'étais chez elle, je l'avais testé et je l'avais trouvé juste trop beau. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un rouge, mais c'est un rouge un petit peu, un tout petit peu brique, mais il est super beau. En fait, je trouve que c'est un rouge, mais discret, entre gros guillemets, tu vois, mais je le trouve un peu plus discret. C'est pas un rouge, un vrai rouge, enfin je sais pas comment expliquer, du coup je le trouve super beau. Je pensais qu'ils étaient à 9,95€ et là je l'ai payé 10,95€, donc bref. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est ce truc là, donc en fait c'est, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un truc où tu peux personnaliser tes messages, donc du coup là j'ai mis enjoy every moment, et en fait il manquait un E, du coup j'ai mis un 3 à l'envers à la place. On fait avec les moyens du bord, hein. Trouvé à la foire fouille, voilà, pour 8 ou 9 euros, je sais plus trop. Et voilà, du coup vraiment super cool. Donc voilà, du coup c'est tout pour mon haul, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez bien aimé ce petit principe try on haul, haul lookbook, je sais pas trop comment on appelle ça, bref. Donc voilà, du coup dites-moi ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.